enfant qui court entre les flammes. Sous les bruits sourds, les cris d'alarme. Adieu bonheur, douceur tranquille. À nos terreurs, exode et exil. Sommes-nous les seuls, sommes-nous les premiers. On est tous des réfugiés. On est tous des réfugiés sur cette planète. Sur l'album de l'Empire de Papier. Merci, hein. Autant de haine, ce petit enfant. Il vient de Creil. Creil ? Ouais, et on s'appelle le groupe d'autres lignes. Mais là, il n'y a qu'une petite, on n'est qu'à deux du groupe. Le groupe de Trolling ? D'autres lignes. D'autres lignes. Tout à fait. Ah, ok, comme d'autres lignes du RER. C'est du ça. D'accord. D'autres lignes. Là, c'est d'autres lignes d'écriture. D'autres lignes d'écriture. Sommes-nous les seuls, serons-nous les meilleurs. Qu'est-ce qui est jaune et qui ne lâche pas l'affaire? Que le soleil. Ah oui, mais moi, je ne fais rien dimanche. Demain, mais c'est dimanche, un poème. Je rien, ah bon, mais ça va t'horrible. Ah oui, on va. On remercie et on applaudit chaleureusement Mathilde, s'il vous plaît, qui a un train qui doit se sauver. Alors, on a encore deux, trois petites chansons qu'on va pouvoir se partager, si vous êtes d'accord, évidemment. Si vous avez la prochaine, on voudrait la chanter en hommage à un vieux monsieur dont on a eu la chance de croiser la route. Lui aussi qui était de tous les combats. Lui qui avait inondé
la France, l'Europe avec deux mots qui n'étaient qu'un point de départ, on est d'accord. Mais quel beau point de départ et hautement utile, essentiel, nécessaire aujourd'hui encore. Indignez-vous, monsieur Stéphane Hessel. Indignez-vous, monsieur Stéphane Hessel. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voix pavée d'espérance, peuplé de femmes et d'hommes debout, un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou, je suis revenu de l'univers, je rends grâce à mon étoile, ma chérie, mon chemin, adora et a pour une balle. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin, 93 ans, voici ma mémoire, prenez-en le plus grand soin, l'indignation, obstinément, dans un monde indignez-vous, c'est un vieux monsieur qui vous parle, du haut de son étoile, entendez-vous. Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent aux présidents, qui ordonnent aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment tout ce qu'on était heureux. Jetez la tombe à la poubelle, et au-dessus du talent dû, versez-moi d'huître de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles, quand la crise alimentaire s'éternise devant les tribunaux, le miracle de milliards sont trouvés en seconde pour sauver le roi de l'art et tous les bandits de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui nous parle, tu aurais son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui nous parle, tu aurais son étoile, entendez-vous. Au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont impossibles quand ils paient notre héritage. Les petits sont amenés généralisés, rendus de grands hommes, de soyez citoyens sans frontières, que ce peuple puisse se soulever contre vous, de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela, qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de faire de moi. Indignez-vous, indignez-vous, c'est un vieux monsieur qui vous parle, du haut de son étoile encore. C'est un de mal.